Bonjour à tous, le journal de 10h. Chômage en France. Le nombre de chômeurs de longue durée a progressé ce mois de juin selon les chiffres dévoilés par Pôle emploi. Ce chiffre a explosé avec la crise pour atteindre les 3 millions de chômeurs. Pas moins de 3 naufrages meurtriers en une semaine en Méditerranée. Plus de 700 migrants auraient péri en mer dans les naufrages de leur embarcation de fortune. Un chiffre établi à partir des témoignages des survivants. Des kamikazes qui ouvrent le feu sur des passagers avant de déclencher leurs bombes. Le scénario rappelle évidemment celui de l'aéroport de Bruxelles, mais cette fois c'est la Turquie qui a été visée. Le bilan fait état ce matin de 36 morts et près de 150 blessés. À la une également, l'homme qui a tué 50 personnes dans une discothèque gay d'Orlando en Floride. Il affirme avoir agi au nom du groupe État islamique. Il a été abattu pendant l'assaut. Le terroriste était connu du FBI. Le drapeau américain en berne sur la Maison Blanche et dans tout le pays. Dans les colonnes ce matin, le palmarès secret des artistes du bouclier fiscal. Première ligne, la première fortune française. Madame est assise sur un magot d'un peu plus de 31 milliards d'euros. Impôt sur la fortune, 0 euro. En 97, déjà, le directeur général du FMI affirmait « L'ISF embête les millionnaires sans gêner les milliardaires ». Eh bien, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Un scandale mondial qui n'épargne pas la France. Au cœur du scandale, la société panaméenne qui permet aux riches de ce monde de dissimuler leur argent dans la finance offshore. Le sénateur et son magot. Un comptable qui passe à table et un sénateur à la barre. Le sénateur est soupçonné de blanchiment de fraude fiscale. L'enquête dans laquelle il est d'ailleurs mis en examen, elle avait permis de découvrir des avoirs cachés à l'étranger jusqu'à 31 millions d'euros qui avaient échappé au fisc. La plus grosse affaire de contrefaçon de monnaie jamais démantelée en France arrive devant la justice. Une quinzaine d'ordinateurs, des milliers de planches à billets et une imprimante de 4 tonnes et demie qui a débité des billets de 20 et 50 euros pendant au moins 7 ans. Butin estimé à 9 millions de faux billets. Le bikini fête ses 70 ans. Quand le tout premier modèle du bikini était présenté à Paris, c'était lors de l'élection de la plus jolie baigneuse et c'est un Lillois, Louis Réard, qu'on le... Bonjour Karl. Soyez prêt dans 5 minutes, s'il vous plaît. Namata, vous faites comme prévu. Oui, madame. J'arrive. Aujourd'hui, chez Hermès. Bien, madame. Mozart ? Parfait, Karl. Salman, votre père est décédé.